Et c'est à moi qui revient cette année d'ouvrir la traditionnelle cérémonie des Innovation Awards. Alors j'en suis d'autant plus heureux que 2015 est une année clé pour l'innovation chez Safran. Les projets que nous allons recommencer ce soir nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Puisse cette cérémonie leur donner la visibilité nécessaire et encourager les femmes et les hommes qui font vivre Safran à laisser libre cours à l'esprit d'audace et de créativité qui les caractérise. Je vous souhaite donc et je nous souhaite donc une excellente cérémonie. It's a great honor to be here today. In the 33 years that I've spent in aerospace, I can honestly say there are very few companies in the world that have the capability and the breadth of Safran. And I think a lot of that is a testament to the leadership of Jean-Paul and how he's brought the organizations together and created the spirit of innovation. It is the job of any government to make people happy and to make people proud. One of the key successes is the solution that Morpho has presented to Egypt in the referendum that had taken place. Congratulations. We thought the Morpho tablet was an excellent opportunity to provide a key technological asset that would answer these needs. On a la chance chez Morpho d'avoir des cycles courts. Donc on met des produits et on peut travailler directement avec le monde entier. Tout le monde a besoin de carte d'identité, de permis de conduire, d'aller plus vite dans les aéroports. On touche le monde entier. We deployed a security platform and a customer service platform that allowed us to collect the biometric and biographical information, and then we would validate identity through document authentication. That allowed us to capture that information and then be able to deploy the system, and people were extremely, extremely happy because they were allowed to move through those lanes very quickly. On a réussi à créer le collectif autour de cette démarche. Le collectif, c'est-à-dire à la fois l'adhésion du management, mais l'adhésion de l'ensemble des équipes qui aujourd'hui le demandent. C'est ça qui est important. Ils l'ont fait. Et c'est vrai que vous avez en face de vous le meilleur du Lean dans le groupe. On élimine les causes de tension au sein de l'équipe, les causes de conflits. En donnant de la visibilité aux gens sur ce qu'ils ont à faire. On rend visuel sur un mur avec des post-it roses les engagements de chaque personne. Donc comme ça, à tout moment, les gens savent où ils en sont, où ils vont, ce qu'il leur reste à faire et combien de temps ils ont. C'est très utile, ça leur permet de se coordonner entre eux dans une équipe pour atteindre un objectif commun. Nous avons, grâce à ces initiatives, cet enthousiasme, réussi à comptabiliser plus de 70 000 idées d'amélioration nouvelles. Cette année, nous avons, à partir de tous les dossiers que nous avons reçus, sélectionné 6 finalistes. Et maintenant, il est temps, roulement de tambour peut-être, Stéphane Abrial, de dévoiler l'innovation gagnante, celle qui a reçu le plus de votes. Eh bien, l'offre qui a reçu le plus de votes, the winner is Morpho. For the water collecting system for sustainable reuse. Congratulations. Bravo. Je crois qu'il y a un contexte très favorable. D'abord par rapport à une pression concurrentielle, a été mentionné le rêve de l'aviation civile. On est dans un contexte où on a une concurrence très forte et quelque part se positionner sur le marché passera par des ruptures technologiques telles que celle-là face à des concurrents. Alors Colibri, ça a apporté la cellule accélérométrique et un concept à haut potentiel innovateur. Et l'arrivée de Sagem a permis de revisiter toute l'électronique de mise en œuvre pour tirer pleinement profit du concept. Bravo, bravo à tous, bravo à l'équipe, c'est super.
ce que j'ai vu, c'est des hommes et des femmes unis dans une même passion pour innover et développer des relations de confiance et de long terme avec des clients exceptionnels. Et quand on a vu ça, on peut vous dire qu'une chose, l'avenir vous appartient. On a une très, très grande confiance dans le futur, dans votre futur. Profitez-en bien. Merci. Quelque chose qui m'a marqué beaucoup cette année, c'est le fait qu'il y ait plein de nationalités qui soient représentées. Et on voit vraiment que Safran commence à avoir une dimension internationale. Sur le plan technique, elle était très riche, avec vraiment des innovations, je dirais, presque à la pointe de la science. En particulier le prix des MEMS. On a terminé par un grand moment d'émotion, beaucoup d'applaudissements. Super, super journée.